Franchement, leur dernier album, j'étais hyper déçue. N'exagère, ils ont un super son. Un très chouette appartement. À la fois simple et convivial, et puis il y a de bonnes vibrations dans cet immeuble, non? Vous allez penser en paye sur le loyer à temps. Vous avez rempli la fiche? Oui, tenez. Tout y est, j'ai pris ma plus belle écriture. Je me présente Alexander Granger. Mes amis m'appellent Alex. Merci, monsieur Granger. Quand est-ce que je saurai si je suis choisi? Aucune idée. C'est le propriétaire qui décide, pas moi. Salut les filles, mais vous habitez ici? Alors peut-être à bientôt. Allez Mina, viens, suis-moi. Madame Schurm, attendez. Bonjour, une petite question. Le monsieur là, Alex, il a visité l'appartement du quatrième? Oui, pourquoi? Pour rien, je m'intéresse à mon futur voisin, c'est tout. Pour l'instant, il n'a pas encore l'appartement. Et vous pensez qu'il a de bonnes chances? Ça a l'air correct. Aime les bêtes et les Harley Davidson. Non fumeur, parle couramment le serbo-croate. Célibataire. Célibataire? C'est plutôt positif. Mais ce n'est pas moi qui choisis. Bon allez, j'ai le courrier à trier, moi. Mina, ça y est, je l'ai trouvé. C'est lui, c'est lui. Qui ça? Le prince charmant. T'assure, je sais que c'est lui. Tu t'emballes, moi je ne trouve rien d'exceptionnel à cet Alex. Il est célibataire, il parle le serbo-croate, il est cool, il est fait pour ma mère quoi. Admettons, mais c'est pas encore ton voisin. Ça, c'est parce que tu ne crois pas aux contes de fées. Hé, tu veux un truc à boire? Non! Non! N'ouvrez pas le frigo! Vous gardez un chien mouillé là-dedans ou quoi? Non! Des vieux choux de Bruxelles! J'avais complètement oublié. Oui, c'est un reste des conserves envoyées par mamie pour Noël l'année dernière. On pourrait peut-être enfin les jeter à la poubelle, non? Ok, on joue ça à Super Mario Kart. Ça marche. Bon, ben je vous laisse jouer aux petites voitures, à plus. Voilà, c'est ici. L'immeuble a l'air très calme. J'espère que ce n'est pas qu'une impression. Ma fille prépare des examens très importants, elle a besoin de silence pour se concentrer. Non. Attends, j'y suis presque. Mais c'est pas briser le record du tour sur le circuit arc-en-ciel. Acclamez la nouvelle championne. Tu t'entraînes la nuit ou quoi, Adi? Bonne chance, maman. T'emballe pas, moi aussi je sais conduire. Tu voulais me dire un truc, Mina? Alex, ton prince charmant, ben il a de la concurrence. Il faudra rafraîchir un peu, mais c'est coquet. Dis donc, elle délire complètement cette télé. Faudrait vraiment qu'on la change. Tu veux me rendre sourde? On avait parlé d'un défi à la régulière. Ok, reste zen. Allez, on s'en va. Ce vacarme est tout bonnement intolérable! Inutile de me raccompagner! Je n'en avais pas l'intention! Bonjour, je suis Sandro Baldini. C'est bien ici l'appartement à visiter? Oui, suivez-moi. Oh non, encore un, c'est déprimant. De quoi tu te plains? Y a pire comme voisin, non? Y a surtout mieux. Alex? Je ne suis pas d'accord. Sandro, il est plus classe, plus beau, plus tout, quoi. Peut-être, mais Alex, lui, il est plus cool. Qu'est-ce que t'en sais? Tu l'as juste vu 2 secondes. Si ça se trouve, ton Alex est un dangereux psychopathe ou pire, un dentiste. Tu parles? C'est ton Sandro qui est louche. J'ai le nez pour ça, moi. Je suis sûre qu'il déteste les chats. Il a une tête à ça, lui. Ça m'étonnerait. Tiens, on va voir. Monsieur, s'il vous plaît. Ma copine, qui est peut-être votre future voisine, voudrait savoir si vous aimez les chats. Ben oui, pourquoi? C'est un super prince charmant. Beaucoup de gens aiment les chats, ça veut rien dire. Je vous mets aussi le numéro de ma femme, au cas où. Sa femme? Tu parles d'un prince charmant? Ton Sandro, il est marié. Oh, ça va. Tout le monde peut se tromper. Et il a beau être marié, il peut très bien devenir ton voisin. T'as raison, ça va se jouer entre Sandro et Alex. Eh oui, t'as une chance sur deux d'avoir le bon prince charmant comme voisin, ma grande. Ça y est, je stresse.
Heureusement, il y a un remède. Une grosse glace chez Gino. Ouais. Aïe, j'ai l'impression que les chances de ton prince charmant diminuent. La planète Shootbrooksor s'autodétruira dans H-7. Oh, maudite engeance puante, si vous croyez que je vais m'abaisser à vous toucher, eh bien vous vous trompez. Vous ne m'aurez pas. Je suis et je resterai à jamais votre pire ennemi. À nous deux, Dario Kart, et à toi les choux de Bruxelles, ma louloute. Ouf, c'était le dernier. Je n'en peux plus de grimper jusqu'au quatrième. Alors, Madame Schurm, à votre avis, qui va l'avoir cet appartement? Je n'en sais rien et je m'en fiche éperdument. Tout ce que je veux, c'est quitter mes pantoufles et boire une bonne tisane de queue de cerise. Oh non! Les fiches! Je les ai oubliées là-haut! Bougez pas! On y va! Oh, ça, ce n'est pas le refus. Tenez, voici les clés. Merci, les filles. Ne me dis pas que tu vas traficoter les fiches des autres candidats. Ben quoi, je fais rien de mal. Je corrige juste quelques petites erreurs. Tiens, par exemple, le 8 dans ce numéro de téléphone. On voit pas bien que c'est un 8. Évidemment, puisque c'est un 3. Plus pour longtemps. Tu sais comment ça s'appelle, ça? Oui, ça s'appelle donner un petit coup de pouce au destin amoureux de ma gentille maman. Quelle boise! Ah. Alors? Mais comment t'as réussi un score pareil? T'as triché, c'est pas possible. Moi, je sens plus mes pouces. Et n'oublie pas ton masque à gaz pour vider le frigo. Hey, salut, Mina. Hey, salut. Tu sais pas la nouvelle? Vas-y, raconte. La concierge vient de me le dire. Alex est officiellement votre nouveau voisin. Ouais. Il n'a plus qu'à signer le contrat de location. Génial. Madame Schum t'a dit quand il allait arriver? Il est déjà dans son appartement. Oui. Viens, on va aller le saluer. Ça se fait entre voisins. Attention, le conte de fées va commencer. Entrez. Hey. Béatrice, viens ici. Béatrice? Vite, aidez-moi à l'attraper. Merci, les filles. Ou plutôt, chère petite voisine, hein? Voisine? Ça dépend. Vous comptez vivre ici avec cette... Mais bien sûr, c'est Béatrice, ma migale. Alors, ma chérie, elle te plaît, ta nouvelle maison? Il est top, ton futur beau-père. Le malade au migale, là, mon beau-père? Jamais! Et pas question non plus de l'avoir pour voisin. Trop tard, Madame Schurm va arriver avec le contrat de location. Tant qu'il n'est pas signé, il y a de l'espoir. Hey! Cette fois, Lou m'a eu. Mais un jour, je le jure, j'aurai ma revanche. Oh, c'est répugnant, je vais vomir. Une minute. Qu'est-ce que tu fabriques? J'en ai besoin, mais c'est gentil de l'avoir sorti du frigo, à plus. Mais... Coucou, c'est Renou. Et Béatrice? Elle est dans sa cage, pourquoi? Oh, comme ça. Si j'étais vous, je boucherais la conduite d'aération de ma salle de bain et en quatrième vitesse. Ah bon? Et pour quelle raison? C'est la seule chose à faire quand il y a un refoulement d'égout dans l'immeuble. Oui, sinon l'odeur est intenable. Une odeur? Quelle odeur? Je ne sens rien. Zut, on est arrivé trop tard. Non, c'est immonde. On dirait des choux de Bruxelles pourris. Ça arrive souvent, ça.
mais pas plus d'une fois par jour, heureusement. Et puis rassurez-vous, à force, on finit par s'y habituer. Ah, ben vous expliquerez ça au prochain locataire. Moi, je m'en vais. Allez, bye. Et voilà. Ciao. Lou, et si tu allais te changer maintenant? Les choux commencent à attaquer le tissu de tes poches. Avec toute cette histoire, le conte de fées de ma mère est revenu à la case départ. Pardon, vous savez si l'appartement du quatrième est toujours alloué? Oui, bien sûr. Allez voir la concierge, Madame Churon. Elle est dans sa loge. Merci. Et peut-être à plus tard, voisine. Oh non, tu vas pas recommencer. Il est parfait. Maman va l'adorer, c'est clair. Je suis sûre qu'il aime les expos d'art moderne, la nourriture bio et les pandas. Oh oui, et tu sais ce que ça fait de lui? Un grand nigaud avec un gilet en peau de mouton mort. Non, un prince charmant. Il a plu toute la journée. Ma robe ressemblait plus à rien. Mes cheveux non plus d'ailleurs. J'étais trempée jusqu'aux os. Mais c'était le moment le plus romantique de toute ma vie. Quand il m'a donné son numéro de téléphone portable, j'avais les mains toutes moites. Heureusement, tout s'est bien passé. La honte, sinon. Quand on échange son numéro de téléphone, c'est un peu comme un mariage, non? Et maintenant, tu comptes t'en servir ou tu vas l'exposer dans un musée? Ben oui, y a pas le feu non plus. Et puis, c'est pas à moi de l'appeler en premier, hein. Je suis une fille, ça ferait trop... Ça ferait trop, quoi. Eh ben, trouve un prétexte pour l'appeler, alors. Un truc qui fasse pas trop, comme tu dis. Je sais, il aime la musique. Je vais lui laisser un message musical. Ah ouais, ce sera hyper romantique. Main? Ouais, on arrive. Ta mère dîne avec nous. Quoi? Ne t'inquiète pas, Mina chérie, je ne suis pas venue pour te ruiner la soirée. En revanche, ton père, lui, n'a pas hésité à gâcher la mienne. Vous vous êtes disputée, c'est ça? Non. Ton père a eu la gentillesse de me dire que j'étais une psycho-rigide maniaque de l'organisation. J'ai donc décidé de prendre du recul pour réfléchir à cette pertinente remarque. Ouais, ok, c'est bien ce que je dis. Vous vous êtes disputée. Bon, je voulais préparer un bœuf bourguignon, mais je n'avais ni bœuf ni bourguignon. Alors, c'est spaghetti party. Ouais! Oh, des spaghettis, comme c'est amusant. Robert n'a aucun sens de l'organisation. Imagine, il refuse de ranger ses vêtements par ordre alphabétique. Dingue. C'est comme pour les placards de notre cuisine, figure-toi qu'il met toujours tout en vrac. Chez toi, je suis sûre que c'est hyper bien rangé, hein? Ouais, c'est pas ça non plus. En fait, niveau organisation, je suis pas très bonne. C'est étonnant. Mais alors, comment fais-tu pour écrire efficacement ton roman? C'est-à-dire que j'écris pas très efficacement, justement. Ne m'en dis pas plus. Je sais ce qu'il te faut pour retrouver ton énergie. Des nouveaux jeux vidéo? Non, un coach. Choix de la chanson. Alors là, attention, s'agit de pas se tromper. Voyons, le téléphone sonne de Jean-Jacques François. Oublie, c'est un vieux disque de ma grand-mère.
Attends, Stacy G, j'ai grave besoin d'amour. Mais t'es dingue ou quoi? C'est trop clair comme message. Oh, bon, alors... ça y est, j'ai trouvé. Écoute-moi cette merveille. Ah. Les jeux vidéo avant de dormir favorisent les troubles du sommeil. Mais pas de discussion. Allez, hop, au lit. Alors, qu'est-ce qu'on dit à son coach? Pitié? Non, on lui dit merci de veiller sur mon précieux sommeil. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Je t'attends à la cuisine. Petit déjeuner macrobiotique, c'est parfait pour l'inspiration. Tofu au céleri, pain au céleri et fromage blanc. Au céleri. Non, nature. Tu as 5 minutes pour manger. Enfin là, tu n'as plus que 4 minutes 35. Au programme, tu écris de 7h à midi, 2 pages par heure, avec une petite pause de 5 minutes à 10h. Je ne suis pas un bourreau tout de même. Allez. Et médite cette pensée de Maître Kato. Ne gagne pas après avoir frappé, mais frappe après avoir gagné. Prête? Prête. Hey, salut, après le bip, vous savez quoi faire? C'est Lou. Tu sais, la fille sous la pluie, là, tu te souviens? En fait, j'ai découvert une chanson géniale que j'aime bien et je voulais te la faire écouter, quoi. Hier soir, je suis tombé dans le fumier. Et c'est pour ça que je connais que je suis pas vrai. Mais quelle croûte débile, ce chat! Hier soir, je suis tombé dans le fumier. Votre message a bien été enregistré. Vous pouvez raccrocher. Je t'en prie, sors de cette malle. Non, plus jamais. Tristan n'a pas pu écouter ton message à cette heure-ci. Il est encore au water polo. Alors on va aller à la piscine, récupérer son portable et effacer le message. Ni vu, ni connu. Tu crois? Ça y est, il est là, je le vois. Oh là là, il est trop beau avec son bonnet. Regarde plutôt son poignet, voir s'il a sa clé de vestiaire. Ben, il bouge tout le temps les bras, c'est pas évident. Hein. En tout cas, je veux pas de clé. Laisse tomber, ça sert à rien. Attends, il l'a peut-être laissé sur les gradins, avec sa serviette, par exemple. Je vois rien d'ici. Il faudrait que j'aille au bord du bassin, mais il va me reconnaître. Bah, pas forcément. Alors dites donc, faut pas vous gêner. Non, mais c'est parce que on avait besoin pour la clé. Enfin, je veux dire, je pouvais pas. Désolée, madame. Vous là, mon casier, faut pas vous gêner. Comment ça, votre casier? Casier numéro 9? Ah, ben oui, je me suis trompée. Tenez, redésolée. Bon, le jeune va. Je vais au marché bio. On va manquer de céleri. Oh!
j'ai pris les dés, c'est pas l'heure du tripot. Au boulot. Oh ah. Vous avez un nouveau message. Aujourd'hui à 9h47. Hé, c'est Lou. Tu sais, elle a tapé 1 pour rappeler votre correspondant. Oh, Lou, ils ont fini de jouer. Faut aller remettre la clé sur la serviette de Tristan. Allez, grouille. Nous n'avons pas compris votre demande. Tapez 1 pour rappeler. Nous n'avons pas compris votre demande. Encore vous? Non mais, vous allez me laisser tranquille à la fin. Rendez-moi ma serviette. C'est moi. Je t'ai ramené du céleri et plein d'autres choses hyper saines. Tu as fini tes pages? Mm-hmm. Je peux les lire? Je t'en prie. Tout va bien, Joss 41? Affirmatif, réorganisation du vaisseau achevée. Parfait, on va passer en vitesse lumière. Allons. J'ai pris la liberté de réorganiser le tableau de bord. Pour enclencher la vitesse lumière, il faut désormais utiliser le levier du pilotage automatique. Pour lancer le bouclier à neutrons, il faut se servir des manettes des moteurs auxiliaires. Le système de reconnaissance spatiale se trouve... Sympa. Je fais tout pour t'aider, et c'est comme ça que tu me vois, comme un insupportable robot que tu largues dans l'espace. Non, enfin, je veux dire... Oui, bah quoi, reconnais que parfois t'es un poil maniaque, non? Heureusement qu'il y a des maniaques comme moi pour assister des adolescentes attardées comme toi. Et heureusement qu'elles sont là pour t'héberger, les ados attardés. Franchement, j'ai rarement passé une aussi mauvaise journée. C'est lui? Qu'est-ce que je fais? Bah, vas-y, décroche! Allô? Tiens, salut! Mon message? Ah bon? Génial! Oui, c'est sûr. Ok, bye! C'est fou! Il a eu mon message et il l'a trouvé rigolo! Tu te rends compte? Il m'a trouvé drôle! Oh, c'est magnifique! Attends, tu crois qu'il me voit comme la bonne copine rigolote? Non! Si, 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 c'est ça, je l'ai bien senti à son intonation de voix. En fait, je passe pour le clown de service, quoi. Stop, cette fois, ça c'est... Tu vas l'appeler, lui faire écouter ta chanson et basta, ok? Ok. Coucou. Ça va? Tu fais quoi? Rien, je... ben... rien. C'est quoi ces gommettes? C'est un petit classement avec des indices de couleurs. Bleu pour les jeux vidéo de combat, vert pour les jeux de sport et rouge pour les jeux de stratégie. Pour l'instant, je n'ai utilisé qu'une seule gommette rouge. Ok, je suis peut-être un petit peu maniaque. Et moi, je suis peut-être un petit peu désordonnée. Désolée de m'être fâchée contre toi. Désolée aussi. Au fond, t'es un bon coach. D'ailleurs, j'ai réussi à écrire mes pages. Mais faut pas trop te mettre la pression, si j'ai bien compris. T'es prêt? Oui. J'y vais, écoute.
journal. Je sens que cette année va finir en beauté. Tristan m'a invité à passer le 31 décembre avec lui. Qu'est-ce que je pouvais rêver de mieux? Hein? En plus, l'après-midi devrait se terminer par le visionnage de Titanic. C'est bien connu, hein? Les films de bateaux qui coulent, ça fait chavirer les cœurs. Alors? Lou, tu me chavires le cœur. J'aurais peut-être droit à un petit bisou de fin d'année? Ah, salut. Entre. C'est toutes mes consoles de jeux vidéo depuis que j'ai 6 ans. Pas mal, ma collègue, hein? Pas mal du tout. Celle-là, c'est une ATX 400. Avec un processeur qui mouline à 1 giga. Et une carte graphique full force à 256 mégabits. Ah oui. Et celle-là, tu vois, j'y tiens grave. C'est une antiquité qui date d'au moins 5 ans. Ma toute première console. T'imagines, elle a pas de connexion i3e802.11. Et la SD RAM n'est pas intégrée. Quant à la sortie SPDIF, j'en parle même pas vu qu'il y en a pas. Par contre, elle a un truc que les autres n'ont pas. Des parois en métal, pas en plastoc comme celle d'aujourd'hui. Incroyable. Et tu peux encore jouer avec? Comme au premier jour. Tiens, juge par toi-même. Ah. Ouf. Ben je sais vraiment pas quoi dire. Ah. Ben, je crois qu'il n'y a plus rien à dire. Hey, Mina, je suis la reine des gourdes et j'ai gâché mon histoire d'amour avec Tristan. Oh, ok, ok, pas de panique, basta la déprime, il faut réagir. Tu sais quoi? Tu vas organiser un super réveillon, une fête à tout casser. Tu invites Tristan, tu t'excuses et tu recolles les morceaux avec lui. Et voilà. Ouais, et où je vais la faire cette fête? Bah ben, chez toi. Impossible, à cause de Micheline. À cause de Micheline? C'est qui Micheline? Quand maman était petite, elle s'était prise d'affection pour une dame toute mignonne qu'elle avait appelée Micheline. Et puis un 31 décembre, mamie lui a fait goûter un nouveau plat. Et c'est bon? Qu'est-ce que c'est? Micheline au marron. Depuis cet épisode, maman a fait le serment de ne plus jamais fêter le jour de l'an. Et chez toi, ce serait pas possible? Pas vraiment. Ici, c'est plutôt ambiance divorce. Mes parents n'arrêtent pas de se disputer. Tant pis, je vais me débrouiller. Salut Richard. Ça te dirait de faire une fête à tout casser dans un endroit super sympa? Bah oui, où? Chez toi, ce soir. Un réveillon, quoi. Ben, franchement, tu sais, les réveillons, c'est pas trop mon truc. Je les passe toujours tout seul à jouer de la contrebasse. C'est ce que je préfère. Allez, à plus. Un réveillon? Négatif. D'après mes calculs, Jupiter est en plein dans Vénus. Ah oui, et alors? Alors, il va se passer un truc, c'est moi qui te le dis. Et un truc pas beau à voir. Une attaque massive de lémuriens, par exemple. Un bon conseil, barricade-toi. Désolé, j'ai prévu de regarder l'œuvre intégrale de Fritz Hoffmann, un cinéaste allemand injustement oublié. N'y compte pas, je veux absolument finir mon puzzle de 10 000 pièces avant la nouvelle année. Ce soir? Non, je dois peigner mes animaux empaillés, comme tous les 31 décembre. Hey, tu viens manger? J'ai pris du cassoulet chez Kader. Bof. Bah alors, ça ne va pas? Non. Dans cet immeuble, tout le monde est comme toi, anti-réveillon. Et moi qui avais prévu d'inviter Tristan à une super soirée. On ne peut pas obliger les gens à faire la fête, ma louloute. Qu'est-ce qu'on peut faire, alors? Par exemple, jouer à la console sur le canapé en attendant la nouvelle année. Ne sois pas triste, ma louloute. Allez, ma petite étoile, c'est la fin de l'année. Tu pourrais pas m'aider en faisant un truc sympa? Un truc magique? Genre un miracle, quoi. Ah, c'est ça
là ton miracle? Ah ben bravo! De l'immeuble? Non, c'est tout le quartier. Ben mince alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va en profiter pour faire la fête. On est tous ensemble, c'est l'occasion. Moi, j'ai un vieux groupe électrogène à la cave et il est déjà branché sur l'installation électrique de l'immeuble. Vous avez ça depuis quand? Je l'ai construit après l'éruption du Vésuve. En 1944? Non, en 1682. Mais Écoutez, moi, j'ai envie de jouer à la console, alors je dis oui au groupe électrogène. Moi aussi. Et moi donc? Plutôt deux fois qu'une. Tout le monde à la cave. En avant. Ça marche au fioul? Non, au vinaigre d'échalote. Allez, en voiture, Monique. Allons, ma belle. Bon pour l'ancien. Il fait bip. Ouah! Ah oui. Bon ben, bonne année alors. Ben oui. Bonne année à tous. Bonne année. Passe une bonne soirée. Impeccable, et toi? Vraiment génial. Enfin, je m'ennuie quand même un tout petit peu. Ah oui? C'est marrant, c'est un peu comme moi. C'est ici pour le réveillon improvisé. C'est complètement ici. Connu moult, celui-là me rappelle le Gévon 29. Alors, c'est ici le réveillon improvisato. C'est cool. Ce n'est pas une pizza à la dinde, j'espère. Naturellement, mia popa. Alors comme ça, vous êtes fan de la première. À vrai dire, je suis fan de tout ce qui ne dépasse pas 1m20. En fait, j'ai oublié de prendre en compte l'influence de Saturne dans mes calculs. Pas d'attaque de Lémurien, alors? Ben non, je dirais même que ce soir, le ciel est plutôt clément. Ah oui? Hey, après le bip, vous savez quoi faire? Et alors, la marmotte, répondit à l'ours, va donc te faire empailler. J'ai pas compris. Vous êtes impayable, monsieur Verdier. Ce plat-là, je peux le garder. Comment pourrais-je donc te dire ça avec tact? Jamais de la vie. D'ailleurs, j'ai établi une liste complète de ce qu'il faut bien. C'est cool. Lou, alors, raconte. Ben, mon plan a marché. J'ai finalement réussi à organiser mon réveillon.
Tout chouette. Mais d'un autre côté, il a échoué. Tristan n'est pas là. Pas de bisous de nouvel an en vue. Pas chouette. Mais attends un peu, il est pas encore minuit. Ouais, bof, j'y crois plus trop. Mais enfin... Ouais, bonne année à toi aussi. Bonne année, la flaque. Oh, c'est sympathique, ces petites choses noires sur les pizzas. Comment ça s'appelle? Des olives. C'est bon pour les chiens, les olives. J'espère le vôtre vient d'en manger une douzaine. Écoutez! Bon, ben, meilleur vœu. Salut, je suis venu pour... bonne année. Merci. Maintenant, je suis sûre qu'elle sera bonne. Pourquoi? Parce que j'ai une bonne étoile qui veille sur moi. Le match commence dans une heure. Oui, mais Tristan a dit qu'il arriverait en avance. Voilà, j'espère que Super Chevel va gagner, hein. Pas moi. Bah, comment ça, pas toi? Tu veux que Richard perde? Ben, en fait, s'il gagne, il va sans doute rester avec Ludmilla. Donc, je préfère qu'il perde, quoi. Évidemment, vu comme ça. Ben, ça alors. Il n'y a pas un chat. Il ne reste même pas un vendeur. Ils sont tous partis au match. Comment on fait pour payer? Ben, je peux vous encaisser si vous avez la monnaie. Ah, vous voilà. Venez vite, mes petites poules. J'ai vos panoplies HS. C'est quoi HS? Hyper Super Chevel. C'est comme ça que s'appelle le club des supporters. Vous voulez un bon patatogne? C'est une spécialité locale. Pommes de terre frites avec des oignons dans de l'huile de corne de bouquetin. Plus tard, merci. J'ai mes bretzels. Et Lou, elle est où? Tu comptes rester habillée comme ça? Ben oui, pourquoi? Dis donc, ici, on n'est pas chez les gros idiots de Super Chevel. Non, ici, c'est la tribune de l'ENAZ en force. Non, mais dites donc, vous deux, là, l'esprit sportif, vous connaissez? Tolérance, générosité, ouverture d'esprit, apparemment c'est du chinois pour vous. Le sport doit bannir la haine des cœurs. Il doit rapprocher les peuples dans le respect mutuel de leurs différences. Ça vous dit rien, ça? Bon, ça va. Tu peux rester. Merci. Non, mais... En tant que maire de Super Chevel, je vous souhaite la bienvenue dans notre stade municipal. Cette année, le match intervallé opposera l'équipe de Val d'Enaz à l'équipe de Super Chevel. Je vous rappelle que le match est retransmis en direct sur Choucast TV, notre chaîne locale, et commenté par Ruggiero Lapaz, champion du monde de curling en 1980.
d'abord une page de publicité. Par chez nous, le gilet en peau de mouton, ça se porte de père en fils. Gilet Sopatech, mouton de père en fils. Et maintenant, place aux jouets. À présent, et comme de peu d'usage, les capitaines vont s'adresser quelques injures en patois local. Muflas. Bousignette. Cramouflas. Pintouze. Oh, il semblerait que Richard soit sous l'emprise d'un fameux Dian-Dian. Quelle fureur! Ça nous promet un bien beau match. Attention, ça commence. Et pour ceux qui ne comprennent rien au curling, comme ma grand-mère, rappelons que c'est un peu comme de la pétanque, sans le bruit assourdissant des cigales. Mais voilà que Jean-Pierre de Valdelaz s'apprête à lancer. Voyons tout de suite la réaction de Super Chevel. Oh oui, c'est beau comme un coucher de soleil au crépuscule. Super, super, super Chevel. Super Chevel a nettement pris la tête et l'avantage et s'apprête de nouveau à lancer. Oh là 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 là, quelle catastrophe! Super Chevel n'a pas de remplaçant. Or, le règlement est très strict. L'équipe de Richard devra donc se contenter d'un seul frotteur. Très joli lancier de Valdenaz. C'est maintenant au tour de Super Chevel. Et oui, le manque de balayeur se fait cruellement ressentir. Et Lenaz reprend l'avantage. Les nazes, on vous écrase. Bah, qu'est-ce qu'elle a? Peut-être bien que c'est une mauvaise perdante. La situation se dégrade pour Super Chevel. Il faut bien dire que Valdenaz est à présent loin, devant eux, qui seront derrière. Encore un magnifique lancer pour l'équipe de Valdenaz qui décidément va être très difficile à battre ce soir. Donc, c'est quoi ce manège? C'est pas un manège. Joue correctement et t'auras un sourire, toi aussi. Le sort de la partie semble hélas presque scellé. Richard, attends, je vous présente... comment vous vous appelez? Honoré. Honoré est un expert en ballet. Ah, ça c'est vrai, surtout le ballet brosse, avec ou sans serpillière. Pas question, on fait un match, pas le ménage. C'est moi le capitaine de cette équipe. On le prend. Merci, capitaine. Attendez, j'ai l'impression que Super Chevel vient d'engager un nouveau joueur. Maintenant! Oh là là! Quel remarquable frotteur! Quel as du manche! Quel roi du ballet! Super Chevel a maintenant repris l'avantage. Oh, on dirait qu'un remaniement est en cours du côté de Valdenaz.
Incroyable! Jean-Pierre fait entrer un joueur de classe internationale, une star du curling. J'ai nommé le grand Johnson, Killing Joe Johnson, alias le prince de la Jamaïque. Je me demande bien comment une aussi petite équipe a fait pour se payer un joueur de ce rang. J'ai pris un crédit sur 30 ans. Oh. Naz a repris l'avantage alors que Super Chevel n'a plus que deux pierres à lancer. Pour que Richard fasse basculer le score en sa faveur, il faudrait maintenant qu'il réussisse le lancer de la véritable démence. Cette figure mythique a été tentée de nombreuses fois depuis l'invention du curling, mais personne ne l'a jamais réussi. Mais on dirait bien que Richard va se lancer. Quel exploit fantastique ce serait! Maintenant à égalité, Richard n'a plus qu'une pierre à lancer. Mais puisqu'il vient d'écarter toutes les pierres adverses, ce n'est qu'une formalité à remplir. Et voilà. Hey, coucou. Coucou, ça y est? Tu vas fêter ta victoire avec le Nuit-là? Je te souhaite beaucoup de bonheur avec elle. Mais je n'ai pas du tout envie d'être avec elle. Et en plus, comme les vacances sont finies, bien, je vais rentrer en ville avec Lou et toi. Mec... Comment t'as pu faire ça, hein? Comment t'as pu rater ce point décisif et trop facile en plus? Super Chevel a perdu la coupe et moi j'ai perdu la face. Tristan et moi, c'est terminé et tout ça, c'est à cause de toi. Revenez quand vous voulez. Merci. Bye bye. À bientôt. Alors là, moi je suis pas prête de revenir. Hein. Je déteste les sports d'hiver. Hey. Salut. Je crois que j'ai été un peu ridicule hier pendant le match. Ben, pas autant que moi. Ça doit être la faute au Dian-Dian. Oui. On va dire ça, oui. Dis, on pourrait passer le reste du voyage ensemble. Enfin, si tu n'y vois pas d'inconvénient. Ben, écoute, j'ai beau chercher, je vois pas d'inconvénient, là. Non, pas un seul. Thank you.
c'est le week-end. Justement, raison de plus pour commencer tôt cette merveilleuse journée. Écoute ça, ma louloute. Le coffret de la saison 3 de Guffy est disponible. J'adore. Oh, ils ont sorti une toute nouvelle console de jeu. Quelle bonne idée. Tiens, dis-moi ce que tu en penses. Je pose juste ce calendrier ici, comme ça on n'oubliera plus jamais aucune date importante. Salut. Salut. T'as pas oublié, demain c'est la fête des mères. J'avais cru comprendre. T'as un cadeau, toi? Oui. Et comme chaque année, c'est ma mère qui le choisit et qui l'achète. Regarde. Waouh. Et voilà, il n'y a plus qu'à l'emballer. Et demain, elle dira: oh, ma chérie, c'est merveilleux. Oh, comme ça, je pourrais avoir de belles images de toi en train de grandir. Et toi, shopping catastrophe au dernier moment, comme d'hab? Et non, cette année, j'ai trouvé le cadeau qui tue. Encore un jeu? Mieux. Le coffret collector deluxe de la réédition de Space Galactica version longue, tirage limité. Je connais pas. T'as de la chance. Parce que moi, ce film, je le connais vraiment, vraiment par cœur. Le vaisseau ne répond plus aux commandes. On va droit dans le trou noir. Seul Ulysse 340 peut nous sauver. XB12, trouve-le. Ulysse 340, qu'est-ce qui t'est arrivé? Manichela est une traîtresse. Elle a sabordé le cyber-gouvernail laser et les réacteurs à propulsion nucléaire. C'est pour ça que le cyber-circuit de refroidissement du moteur solaire ne fonctionne plus. J'ai fait ça pour votre bien. Nous ne pouvons pas retourner sur Terre car la Terre a été détruite. Oh là là! Comment tu peux dormir devant un tel chef-d'œuvre? Peut-être parce qu'on l'a déjà regardé hier, avant-hier et deux fois le week-end dernier. Oh, pardon, trois fois. Elle est totalement fan alors. Tu m'étonnes. Rien ne peut lui faire plus plaisir que ce coffret. Si vous parlez du coffret Space Galactica, le colis s'est perdu. J'en ai recommandé, mais ça arrivera dans trois semaines. Désolé. Misère. Hein? Richard? J'ai cru entendre un bruit d'aspirateur, alors je fais les mains. Si... tout va bien. Ma mère arrive. Tous les ans, elle trouve un prétexte pour débarquer le week-end de la fête des mères. Et tous les ans, c'est une catastrophe. Ouais, merci. Je ne suis pas assez propre, c'est ça le message que tu veux me faire passer? C'est moi ça? Une extraterrestre au milieu de plantes carnivores, c'est comme ça que tu me vois. Mais cette année, pour une fois, j'ai décidé de ne pas tout rater. J'ai un plan. Maman! C'est le bazar ici, comme d'habitude. Tu sais que demain, c'est la fête des mères? Ah bon? Vraiment? Arrête de faire l'innocente. Chaque année, à cette occasion, tu inventes un prétexte pour venir. N'importe quoi! J'ai un tournoi de bridge demain. Maman, tu ne sais pas jouer au bridge. De toute façon, vu les cadeaux que tu me fais... Eh bien, cette année, ça va changer. Je t'emmène faire les boutiques. Tu pourras choisir quelque chose qui te plaît. Mais... pas de mais. Pour une fois, c'est toi qui m'écoutes. Tu veux pas arrêter, Mina? L'heure est grave, là. J'ai mis toutes mes économies dans ce coffret. Il me reste zéro budget. Offre-lui une création made in Lou. Franchement, à part un collier de nouilles ou un dessous de plat en coquillage, je vois pas. Sans argent, sans idée, Lou renonce et se laisse aller au désespoir. Et tout ça sous l'œil de notre caméra. Mina, mais t'es géniale! Hein? J'ai trouvé mon cadeau. On va refaire le film Space Galactica avec les moyens du bord et cette caméra. Ça va être mortel! Mortel! Avec ses ressorts huilés, les rats n'ont plus le temps de s'enfuir. Certes, mais lui, il attire les cafards. Oh. Vous devriez le savoir. Bonjour. Bonjour. Merci. Regarde, un détecteur laser de souris. Tu veux que je multiplie ma facture d'électricité par 10? Alors, tu trouves quelque chose qui te plaît? Tout le monde est prêt? Attention. Moteur. Hé, attends, on n'a pas fini avec le chat. Elle a sabordé le cyber-réacteur, le cyber-gouvernail laser et les réacteurs à propulsion nucléaire. XB12 va biper dans 30 secondes. En place tout le monde. Faut qu'il aille vers Richard. Allez,
moteur et action! Allez, Chachoumou, allez, va voir Richard. Allez, vas-y! Coupé! C'est pas gagné. Non! Bon, 78. Mais c'est ma dernière offre. Pour la millième fois, je vous répète que cet écureuil n'est pas à vendre. Il a été commandé par une cliente. 94. Ça suffit, ces marchandages. Tu me fais honte. Allons-nous-en. Écoutez-moi, pour la première fois en 8 ans, j'ai vu ma mère sourire. La dernière fois, c'est quand son voisin a glissé sur une crotte de chien. Je peux pas lui offrir ça pour la fête des mères. Cet écureuil est mon dernier espoir, vous comprenez? 125. Non. Action! Manikela est une traîtresse. Elle a sabordé le cybergouvernail laser et le réacteur à propulsion nucléaire. C'est pour ça que le cybercircuit de refroidissement du moteur solaire ne fonctionne plus. Coupé! Génial! Montre! Allez, fais voir. Allô? Formidable! C'est quoi cette image? Me dites pas qu'il faut la refaire, hein? Eh, je dois vous laisser. Une urgence, désolé. Madame Schiom, s'il vous plaît, on y était presque, attendez! Et là, c'est le drame. Quelle lampe affreuse! Qui peut oser mettre de telles horreurs dans son salon? T'as vu celle-là? On dirait une cocotte minute. À Boule le rongeur, et tout de suite! Comment peut-on porter des oripeaux pareils? Ôte-moi d'un doute. Ce machin, c'est une chemise de nuit ou une robe? Maman, j'ai oublié un truc hyper important. Je reviens tout de suite. Ah, elle est belle, la jeunesse! Abandonner sa pauvre mère dans ce lieu infect! Ça suffit, je rentre! J'espère que ma petite fille sera un peu plus accueillante, elle. Là, 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 maman va pas tarder à rentrer et on n'a pas un plan en boîte, c'est la cata. Hé, hey, relax. Richard connaît son texte, on a une nouvelle Manikela et mon image est bonne. En place tout le monde! Occupe-toi du chat au lieu de stresser. Chachoumou, ohé, allez la flaque, réveille-toi. Allez! Pour le chat, on passe à la tirade de Manikela. Action! Ma, j'ai fait ça pour votre bien. Nous ne pouvons pas retourner sur Terre, car la Terre a été détruite. Ah, c'est comme ça. Eh bien, il retourne à mes pizzas. Quelle insolence, c'est moqué de Gino. Vous avez bluffé pour faire monter les enchères. Vous n'avez pas d'autres clients. Vous êtes démasqué. Je veux cet écureuil et tout de suite. Désolé, la cliente va venir le chercher d'une minute à l'autre. C'est impossible. Et vous savez pourquoi? Parce que personne, à part ma mère, ne peut avoir envie d'une telle affrosité. Madame Schurm? Non, c'est une pièce très rare. Vous n'avez pas idée. Elle manque à ma collection. J'enlèverai mes chaussures pleines de boue en rentrant dans l'immeuble. Je n'écouterai plus que des chansons d'amour sirupeuses, celles que vous aimez. Je vous dédierai mon livre. Je vous créerai une page perso sur Internet. J'ai une page perso? Sur moi? Rien que sur vous. Ça va être la plus belle page Internet du monde. J'ai hâte de voir la tête de ma mère quand elle ouvrira son cadeau. Je peux savoir ce qui se passe ici? Canapé. Ma chère maman, je n'ai qu'une seule chose à dire. Bonne fête!
340, qu'est-ce qui t'est arrivé? Manichella est une traîtresse. Ah, mais c'est... Elle a sabordé le cyber-pérail laser et les réacteurs à propulsion nucléaire. Vous n'avez jamais fait de théâtre, vous? Ça se voit. Nous ne pouvons pas retourner sur Terre, car la Terre a été détruite. C'est le meilleur cadeau de fête des mères que j'ai jamais eu. Merci, vraiment. Bonne fête, maman. Oh, ma chérie, c'est merveilleux. Comme ça, je pourrais avoir de belles images de toi en train de grandir. Bonne fête, maman. Eh bien, tu ne t'es pas ruinée. Ça valait le coup de faire les boutiques ensemble. Moi, à 20 ans, ni la photo dédicacée d'Alain Gilbert, et bien sûr, toutes les photos de mes bébés. D'accord. Pardon, vos bébés? Ah oui. À part l'haleine de mon chat au petit déjeuner, c'est la couleur rose. On en voit partout. Alors je sais pas quel est l'imbécile qui a décrété que les filles aimaient le rose, mais franchement, les garçons, eux, ils y ont pas droit au rose. Je suis sûre que ça leur irait bien en fait. Bref, à partir de maintenant, je déclare la guerre au rose et je le bannis définitivement de ma garde-robe. Dis, qu'est-ce que tu préfères, Johnny? Le noir ou bien le noir? Ok. Alors on va dire le noir. Et voilà, ça c'est de l'indémodable. Allez, t'es bon pour un shampoing gratuit? Hey! Non! Qu'est-ce qui se passe ici? La boulette a fait un plongeon dans la teinture noire et il en a mis partout! Oh bon, ouf! J'avais peur que ce soit un truc grave! Samedi tranquille, non? Ouais, tranquille. Rien de spécial à faire, juste quelques courses et après, repos. J'ai le même programme, un peu de ménage et après, détente totale. Misère. Oh non, ça m'énerve. Ça, c'est vraiment pas de bol. Bon, je vais me doucher, ça ira mieux après.
Maman ! Tiens, t'es là, toi. Moi, je prends les douches. Toi, tu préfères les bains. Vu que c'est pas le moment, on verra sous le mauvais. Ah ! Le chauffe-eau qui a encore claqué. C'est bizarre, on l'a fait réparer la semaine dernière. Comment je fais pour me rincer, moi, maintenant? Ah, moi, le boss de fin de niveau! Non! Qu'est-ce qui se passe encore? La console, elle vient de me lâcher. Ma sauvegarde effacée. J'arrivais au boss de fin de niveau. Waouh, dur. Tu veux regarder un peu la télé pour te changer les idées? Les quarks, ce sont les petites briques qui composent la... Le mauvais œil, la poisse, la chkoumoune, tout ça, t'y crois toi, maman? Non, et je refuse de céder aux sirènes de l'irrationnel et de la superstition. T'as raison, on n'a juste pas de bol, c'est tout, ça arrive. Oui, heureusement que ce samedi devait être cool. Non, non, non! Te voilà! Allez, où c'est du balai? Pliche le camp! Misère! T'es là, toi? Allez! Viens, on rentre à la maison. Voilà, toi. Fais pas ta tête de chien battu, je t'en veux pas. Oh non. Les clés. Oh. Comme chaque année, à cette date, je suis absente toute la journée pour des raisons qui ne regardent que moi. Signé Madame Chion. Pour une fois qu'on a besoin d'elle. Non, ça va? Pas vraiment. Non. Ventre sacré! Maudit! Non, mais dites, ça va pas? C'est quoi ces gesticulations? La griffe ardente du Shaolin pourpre. Les chats noirs portent malheur, vous n'y croyez pas? Ben, non. On n'est pas vraiment superstitieuse. Vous ne connaîtriez pas plutôt un truc ardent pour ouvrir les portes? Parce qu'on est enfermé dehors, là. La malchance, c'est scientifiquement prouvé. Suivez-moi, je vais vous montrer. Voici Napoléon Ier, peint la veille de la défaite de Waterloo. Remarquez l'animal à ses pieds. La photo officielle du Titanic, le jour de son inauguration, quelques jours avant qu'il ne coule. Les astronautes de la mission Apollo 13, juste avant l'explosion du réservoir d'oxygène. Avant chacune de ces catastrophes, un chat noir était présent. Et ça, c'est quoi? Une radio où on voit un chat noir à bord de l'Hindenburg? Pire que ça! Une radio de ma hanche, après mon accident pendant le tremblement de terre de San Francisco en 1906. 1906? Vous étiez né? Plus ou moins. Vous allez voir, c'est très pratique pour ouvrir les portes. La classe! Merci. Remerciez plutôt la science. Vous ne voulez toujours pas croire que ce chat vous porte la poisse? Eh bien, appelez donc votre voisin, celui avec une chemise en cuir de bic. C'est un gilet en peau de mouton. C'est pareil. J'arrive! Oh non, ma poignée! Je l'ai changé hier. Qui est-ce? C'est moi! Ah, bah, désolé, je peux pas t'ouvrir. T'en fais pas! À plus! Ok, à plus. Oh, alors? Convaincu? Ben là, il faut bien admettre que... Bon, il faut absolument laver ce chat plein de mauvaises ondes. Hé! Reviens! Pour combattre la bête, vous avez...
avez besoin d'une puissante protection. Voici mon trèfle à quatre feuilles. Fenêtre. Roger. Fromage. Prêt. Épuisette. En main. Pour remédier à ça, ma louloute. Là! J'y vais. T'es sûre? Je ne risque rien. J'ai le trèfle de l'ancien. Dites donc, les Spider-Women, heureusement qu'un passant vous a vu. On peut dire que vous avez eu une sacrée chance. De la chance, nous? Ah non, ça risque pas. Hein? Dites, mesdemoiselles, qu'est-ce que vous fabriquiez toutes les deux sur cette citerne? Trop long à expliquer. Une histoire de chat noir. Un chat noir? Ce ne serait pas celui-là par hasard. Je l'ai trouvé en bas de la rue, au beau milieu d'un carambolage. Pas une égratignure. Il a un de ses bols. Avec fixateur intégré quasiment indélébile. Quoi? C'est pas vrai! Mais qu'est-ce qu'on va devenir? La poisse va nous coller jusqu'à la fin des temps? Peut-être pas. Ça lui va pas mal, cette couleur, non? Oui, ça met ses yeux en valeur. Finalement, j'avais raison. Le rose, ça va très bien aux garçons. Thank you.
vois que les méchants. Batman, t'as l'impression qu'il est là pour faire joli. Ça a l'air de te passionner ce que je raconte. Si, 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 c'est pas ça. Il y a un truc bizarre là-bas, on dirait. Et le voilà. Do. Gunix is rigged down drone et fumat. Ah, la chorégraphie, la chorégraphie, la chorégraphie. Hé, hey, Jill, tu pourrais nous expliquer le truc, là, s'il te plaît? Mon statut social est passé de totalement transparent à totalement bouffon. Je m'en vais, adieu. Mais hé, hey, Jill, attends. Grâce à son vibrato mélancolique, Mitsutsuke Hayabushi nous livre une critique de la phénoménologie comme aucun autre saxophoniste avant lui n'a su le faire. Il n'y a vraiment que les classeurs du jazz pour nous pondre un papier aussi intelligent, tu ne trouves pas? Ben, si, bien sûr. C'est très, comment dire, profond. Non, c'est vrai, t'as raison, il mérite pas ça. Même si, tu le sais, il me fait un peu peur, Gilles. Bon, ok, il collectionne les posters d'astrophysiciens et les larves d'insectes, mais c'est pas une raison pour le laisser se faire lyncher par tout le monde. Bonjour quand même, hein. Désolée, mademoiselle est en pleine urgence humanitaire. Tout ça parce que quelqu'un a mis une vidéo bien craignose d'un garçon du collège sur internet. Oui, du coup tout le monde se fiche de lui. Je dois faire quelque chose. Bien. On peut la voir, cette vidéo? Ben oui, si tu veux, mais si... Enfin, tu vas voir. Hey, mais c'est du Sildave. Richard, viens voir ça, c'est énorme. Oui, oh, tu sais, moi, les trucs débiles sur Internet. C'est ça que t'appelles une urgence humanitaire? Oh, c'est pas bien méchant. Mais tu te rends pas compte? Gilles veut changer de collège tellement il a honte. La misère. Oui, enfin, personne ne l'a forcé à se faire filmer non plus, hein? J'ai pas raison. Aucun avis sur la question. Et puis, j'ai autre chose à faire, là. Au revoir. Ah, c'est Gilles. Enfin. Alors, qu'est-ce que vous vouliez me dire? Qu'il faut pas flipper. Tu sais, ils vont se lasser et ils y penseront bientôt plus. Hé, hey, regardez, c'est le mec bizarre qui danse sur le net. Oh, tu sais, moi, les trucs débiles sur Internet. Oui, enfin, personne ne l'a forcé à se faire filmer non plus, hein. J'ai pas raison. Aucun avis sur la question. Et puis, j'ai autre chose à faire, là. Au revoir. Non, est-ce que par hasard... Bon, premier truc, dédramatiser. Voir le côté cool des choses. Ben oui, après tout, t'es devenue une star en quelques jours. C'est pas donné à tout le monde, hein. Ce n'était pas le but recherché, je te signale. Mon truc, c'est plus la recherche spatiale que le faux business. N'empêche que tu l'as faite, cette vidéo. Peut-être qu'au fond de toi, sommeille un petit Justin Timberlake qui ne demande qu'à s'éclater. C'est cette chanson aussi. Elle me rend fou. Mais c'était supposé rester un truc intime. Tu aimerais, toi, qu'on déballe en public des trucs que tu ne voudrais montrer à personne. Je t'aime, Tristan, je suis dingue de toi. Pour te voir, je t'observe avec des jumelles. Je me cache dans des poubelles. Je collectionne tes chaussettes sales. T'as raison, l'horreur. Bon, il faut prendre le mal à la racine. Effacer le film, c'est ton cousin qui l'a mis en ligne, non? Alors dis-lui de le supprimer. Elle a raison, ils se marrent tous parce qu'ils se passent les images en boucle. Plus de films, plus de vannes. Retour à Super Chevel. La troisième épreuve d'Interbourg opposera la star locale de Val des Nazes, Jean-Pierre, au représentant non moins émérite de Super Chevel, Richard. Stop, départ. Bonjour, madame Chion. Vous vous moquez de moi? Ça m'apprendra à vous monter vos colis. C'est pas vous, madame Chion? C'est ce film qui me... Un film? Je peux le regarder? Hein? Vous allez voir, c'est tordant. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Il ne faut pas 15 ans pour effacer une vidéo. Gilles, on vient...
viens de l'appeler. Ton cousin doit faire une demande à l'administrateur du site. Oh, bonne nouvelle, ça y est, c'est fait. On va quand même vérifier. T'as ton portable? Bah oui. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'y crois pas. Il a été customisé. J'ai été quoi? Ça veut dire que des internautes ont repris ta vidéo et l'ont bidouillé. Ils ont rajouté un décor, des trucs et des machins. Résultat, ça va continuer à se balader sur le net. C'est pas de collège qu'il faut que je change. C'est de pays. De planète, carrément. Internet, c'est mondial. C'est malheureusement impossible. La planète habitable la plus proche de la Terre se trouve à 2 millions d'années-lumière. Alors à moins d'arriver à déformer l'espace-temps... Oh. J'ai peut-être un plan plus simple. Hein? C'est une vidéo qui donne la frite. Oh. Ça a l'air d'être drôle, dites donc. Désapilant, il faut que vous voyez ça. Ok, tout le truc consiste à réussir à désamorcer toi-même les moqueries, à faire croire que tout ça n'était qu'une vaste blague depuis le début, tu vois, que c'était du second degré. Comment veux-tu que je fasse croire ça? Écoute, on se fait un deuxième film dans le même genre et cette fois, c'est toi qui le mets en ligne. C'est ça ton idée de génie? Tu veux multiplier ma honte par deux? Mais cette fois, ce sera différent. Tu le feras en connaissance de cause et Mina et moi, on dansera avec toi sur la vidéo. Pardon? C'est quoi ce délire? T'as craqué ou quoi? Je ne veux pas être sur cette vidéo. Il danse comme une tasse. Fais-moi confiance. J'espère que tu sais ce que tu fais parce que sinon, tu seras responsable de notre mort sociale à tous les trois. Prêt? Bon, je ne veux pas vous chasser, mais il est tard. Je crois que ce serait mieux de ne rien dire. Rien dire? Richard! À propos de quoi? Oh, de rien. Bon, eh bien, je vous laisse. J'ai des saucisses sur le feu. On peut dire que vous avez un sacré coup de fourchette. Richard, je vais t'expliquer. Je suis tombée là-dessus par hasard. Madame Chiourme est venue et puis les autres ont suivi. Bah, il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard, hein. C'est ce que tu crois. Tu ne peux pas imaginer le traumatisme qu'a toujours représenté pour moi cette vidéo. Oh, allez, ça va, elle est marrante. Marrante? Bah quoi? Elle est pas marrante, cette vidéo? Oh là là, pourvu que ça marche. J'ai amené ça au cas où. Arrêtez d'angoisser. Vous me faites confiance, oui ou non? Et voilà, comme au retour, Splash Commoder. Bienvenue dans votre super fan club. Les collants à paillettes, ça déchire. Franchement, j'en ai vu des trucs terribles sur le net, mais là, vous remportez la palme d'or du ringard. Ouais, y a pas photo. Comme au retour, Splash Commoder. Ne me dites pas que vous avez un autre film avec Monsieur Richard déguisé en saucisse. Le voilà. Je ne veux plus entendre parler de saucisse, ok? Tu voulais que je te rende tes livres. Les voici. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour que tu viennes. J'ai un truc à te montrer. S'il te plaît, pour me faire pardonner. Vous le faites exprès ou quoi? Et
Et t'es sûr que c'est pas jouable, ton plan B, le truc avec l'espace-temps? Vie travail. Ah, je la retiens, Lou, avec ses idées géniales. Comment ça, on doit quitter la ville? Regarde ça. Mais c'est sans cesse! Et je suis pas la seule à le dire! Regarde les commentaires! Ça vient des quatre coins du monde! La vidéo la plus sympa de la semaine? J'adore cette danse! Enfin, un peu d'originalité! Grâce à votre vidéo, j'ai repris goût à la vie! Ces danseurs sont géniaux! C'est quand même hallucinant. Hier, Gilles était le plus ringard des ringards et aujourd'hui, c'est une star. Ouais, ça fait quand même flipper que ton destin dépende de trois clics sur Internet. Merci, salut. C'est pas pour moi, c'est pour ma petite sœur. Au fait, elle aimerait savoir comment elle s'appelle, cette danse. La ville tonique. Allez les filles, tout le monde en place. C'est désert le mardi, normalement. Hé, hey, Gino, ben, et notre table? Mamma mia, scusi, venez, je vais vous en trouver une autre. Là, c'est bene, non? Ecco, une escalope milanaise et des spaghettis à la carbonara. Mais, Gino, on est mardi. Le mardi, on prend toujours deux salades Capri, sans croûtons, et une grande pizza Volcano avec un supplément poivron que sur une moitié. Ma si, scusi cara mia, je ne sais plus ce que j'ai fait. Ah, Hyacinthe, amore mio. Ah, ben voilà pourquoi c'est le bazar. Il est amoureux, le Gino. Mes chers amis, je vous présente Hyacinthe, ma fiancée. Bonsoir, je suis ravie de rencontrer les amis de mon chum. Enchantée. Vous êtes de Québec? De Montréal. J'ai toujours rêvé d'y aller. Il paraît que les gens sont très accueillants. Bon, ben moi je vous laisse, hein. J'ai des devoirs à faire et tout. Ciao la compagnie. Et hop! Ben alors, on peut savoir ce qui t'arrive. C'était un peu malpoli ta façon de partir tout à l'heure. À
Attends un peu, ce serait pas parce que Gino a une copine? Non, aucun rapport. Je suis très contente pour Gino et aussi très contente pour le Québec. C'est génial ce rapprochement culturel, trop fort. Bon, maintenant tu me laisses? Je vais d'abord te dire un truc. Tu sais, Gino est un super pizzaïolo, mais c'est aussi un être humain. Il a le droit d'être amoureux. Ouais, je sais. Mais tu vois, cette Hyacinthe, là, je la sens pas. Elle a l'air bizarre, non? Je voudrais pas que Gino soit déçu, c'est tout. Tu trouves que j'ai à bouger, hein? M'excuser? Ah non, plus quoi encore? Ok, t'as gagné, je vais aller lui demander pardon. Hey, oh! Ah. Hey, Gino, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, hey, ciao, cara mia! En l'honneur des Hyacinthes, j'ai décidé de faire quelques picoles et transformations dans les restaurants et d'ajouter des nouvelles spécialités dans les menus, regarde! Pizza à la poutine? Blanquette de caribou? Spaghetti au sirop d'érable? C'est une blague? Ma, pas du tout! C'est un concept révolutionnaire. Les mariages entre la cuisine italienne et la gastronomie québécoise. Tiens, je veux que tu sois la première à goûter mes cannelloni du trappeur. Une merveille sublissima! Jamais! Trouve-toi un autre cobaye! Ma... Blanquette de caribou, spaghetti au sirop d'érable? Effectivement, ça a l'air... Immonde! Je refuse de remettre les pieds chez Gino tant qu'il fera de la cuisine québec-italienne. Ne sois pas injuste. Tu es bien placée pour savoir que l'amour, ça fait faire n'importe quoi. En fait, c'est pas Gino qui m'inquiète, c'est Hyacinthe. Imagine qu'elle soit pas du tout amoureuse de Gino et qu'elle veuille lui piquer tous ses sous. Et si c'était une espionne du KGB? Et si... Ouais, je vais te dire, moi. Le vrai problème, c'est de savoir comment on va manger. Parce que, comme tu le sais, je n'ai pas encore trouvé un livre de cuisine qui marche. Ok, tu t'occupes de nous trouver de quoi manger et moi, je me charge de tirer cette histoire d'espionne au clair. Salut. Salut. J'ai besoin d'un conseil. Tu sais que Gino a une amoureuse? Bah oui, Hyacinthe, c'est chouette, hein? Non. Pourquoi? Parce que je sens qu'elle est pas vraiment amoureuse de lui et ça m'inquiète. Oui, mais ce n'est qu'une sensation. Il faudra en être vraiment sûr. Et tu te souviens de la première fois que ta mère m'a présenté à Gino? Il m'a fait passer un genre de test. Alors, comme ça, vous êtes l'homme idéal? De qui? De Mia Poupa. Qu'est-ce qu'elle vous trouve? Mais... Désolé, ça va pas coller avec Poupa. Vous êtes trop... farabuto. Super idée, t'as raison. On va faire la même chose à Miss Caribou. Bonjour à tous. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez tapé les mots-clés « cuisine » et « nul » sur Internet. Ne vous laissez pas abattre. Il vous reste la solution. Un coach de cuisine personnalisé, moi. Alors n'hésitez pas à m'appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Et n'oubliez pas, qui cuisine un œuf, cuisine un bœuf. Qui cuisine un œuf, cuisine un bœuf. Qui cuisine un œuf, cuisine un bœuf. Vous allez vers le centre-ville? Oui, je dois m'acheter des lunettes de soleil. Ah, bah ça c'est drôle, moi aussi je vais par là. Dites, je me demandais, qu'est-ce qui vous plaît le plus chez Gino? Bah avant tout, sa gentillesse. Et vous êtes amoureuse de lui alors? C'est l'homme de ma vie. J'étais dans la rue, il m'a bousculée et je suis tombée en amour. Hello! Alors comme ça, on cuisine très très mal? Ben oui. Plus pour longtemps. Dites-moi, vous êtes maniaque? Je crois pas, non. Vous êtes jalouse? Non. Et vous êtes fidèle? Bien sûr.
une femme parfaite, quelle galère. Mais pourquoi tu me poses ces questions? Comme ça, pour savoir. Allez, au revoir. Alors, elle va commencer par me faire un petit test simple, histoire que je me rende compte de son niveau. Elle va nous préparer un... je sais pas moi, un petit faux plat. Richard, c'est affreux. Quoi? Hyacinthe n'est pas une femme bien? C'est pire que ça. Elle est géniale. Ah, tant mieux pour Gino alors. C'est ça, ouais. Elle se concentre, elle respire, elle a le poignet souple et zac d'un petit mouvement sec. Victoire! Cette fois, tout est dans la poêle. Elle progresse vite. Ma chérie, tiens, tu veux goûter à mon œuf au plat? Alors? Trop cuit, et ce serait nettement meilleur sans tous ces petits morceaux de coquilles qui craquent sous les dents. Gino? Hyacinthe, elle est partie! Hein? Mais pourquoi? Parce qu'une petite ragazza lui a posé des tas de questions indiscrètes et figure-toi que Hyacinthe est persuadée que c'est moi qui t'ai demandé de les lui poser. Non mais ça ne va pas! Qu'est-ce qui t'a pris d'aller embêter cette pauvre fille, toi? C'est que... Gino, je te connais depuis que je suis toute petite et... Enfin, je crois que le fait que tu changes tout d'un coup, ça m'a fait peur. Peur? Oui, je sais que c'est idiot, mais t'as toujours été une sorte de repère pour moi, alors j'ai un peu perdu la tête, je suis désolée. Mia Lou, ce n'est pas parce que je suis amoroso de Hyacinthe que je vais moins t'aimer. Mais maintenant, elle est sans doute perdue à tout jamais. Ne t'en fais pas, il n'est peut-être pas trop tard. C'est vrai, je vais la rattraper. Où est-elle partie? À la gare. Elle m'a dit qu'elle voulait prendre les trains pour Borgnol. J'y vais. Gino ne m'a jamais demandé de vous poser toutes ces questions. C'est moi qui l'ai décidé toute seule. J'ai fait ça parce que j'ai eu peur de le perdre. Ah bon? Mais je... Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Gino est malheureux sans vous. Ce serait bien que vous reveniez. Qu'est-ce que vous en dites? Oh non! T'inquiète, on descendra au prochain arrêt et on prendra un train qui nous ramènera à la ville. Bah dis donc, y a pas un chat ce soir. Ma cuisine italo-québécoise ne plaît à personne. Vous devriez peut-être revenir à la cuisine italienne traditionnelle. Enfin, je dis ça... Mais c'est qui, lui? Tu nous présentes ou quoi? Voici mon coach de cuisine. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, Gino risque de nous avoir comme cliente encore longtemps. Et je confirme. Très longtemps.